Bonjour Yann. Bonjour. La forme ? Ouais, ça va. Ah, je vois que ça bosse dur. Ouais, ça bosse. Rappelle-moi ton poste déjà ? Défenseur central. Défenseur central, ok, ouais. Ça marche. Donc ça veut dire que tu es en contact direct, en communication permanente avec ton gardien. Exactement. Et l'essentiel de ta vision, finalement, c'est sur l'avant du terrain, quoi. Exact. D'accord, ça marche. Et c'est pas trop fatigant, ça, pour les yeux ? Un peu quand même. Hein. Bon. Je vais pas te mentir, c'est un peu fatigant. Je vais te proposer des petits tests, des petites choses à faire très très facilement. D'accord. Qui vont permettre de te reposer les yeux pendant un temps mort dans le jeu ou à la mi-temps, etc. D'accord. On fait ça ? Ça marche pas trop. Allez, bien. C'est parti. On va se lancer sur le test, hein, ça s'appelle le palming. D'accord. C'est une sorte de kiné, de modulation au niveau des yeux. Okay. Alors, première chose, c'est que tu vas juste fermer les yeux, d'accord ? Voilà, et tu vas, avant de fermer les yeux, regarde, tu vas juste fermer les yeux et venir poser tes paumes sur tes yeux. Hop et hop. Voilà. Comme ça, tu vois, l'information lumineuse est complètement coupée. Oui. Et ton cerveau se repose, puisqu'il n'a plus besoin de traiter l'information venant des yeux. Ok ? Ça, c'est la première chose à faire. Ça, tu le fais deux fois 30 secondes, c'est parfait. Ok ? Deuxième chose, c'est que tu vas venir masser tes tempes. Donc, tu fais juste un petit massage comme ça, très léger, pas besoin d'appuyer trop fort. Voilà. Stop. Voilà, là tu sens normalement le battement des artères. Oui, voilà, c'est ça. Et tu repars. Voilà. C'est ça, tu le fais 2-3 minutes et ça relaxe. Okay. Dernière chose, regarde-moi bien, tu vas juste fermer les yeux à nouveau et venir masser le bas des paupières ici. D'accord. En mouvement. Ensuite, tu feras le haut. Voilà. Et enfin, les coins ici. D'accord. Donc ces éléments-là, ça te permet de libérer un petit peu de gras naturel qui sont sur les paupières et au niveau du coin ici, ça va permettre de libérer des larmes pour venir lubrifier complètement tes yeux. Avec ces trois tests faits les uns après les autres, tu vas voir que tu vas être beaucoup plus reposé au niveau des yeux. D'accord, ça marche, pas de problème. Alors Ilan, qu'est-ce que tu as pensé de ce petit palming ? Bah, ce petit palming, bah, c'est vraiment très intéressant. Ça peut soulager nos yeux, ça peut faire du bien aussi pour la vue, ça peut être important. Et pourquoi pas le faire après les matchs ou après les entraînements. Exactement, tu as tout compris. Comme ça, tu vas pouvoir te reposer au niveau visuel aussi, parce que la récupération des yeux, c'est important.